Salut à tous, c'est Lily. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons donc faire des savons donc à la rose. Alors pourquoi faire ces savons soi-même? Tout simplement parce que ça revient moins cher et c'est beaucoup plus sympa. Alors pour faire ces savons, il vous faut donc une base blanche de savon que vous achetez sur le site d'Aromazone. Ensuite, il vous faut de l'huile d'amande douce ou n'importe quelle huile que vous voulez. Donc moi j'ai choisi l'huile d'amande douce, sinon vous pouvez choisir l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive, l'huile d'argan, en fait l'huile qui vous convient le mieux. Il vous faut donc de la poudre de rose musquée. Si vous n'avez pas de poudre de rose musquée, vous pouvez très bien utiliser de la noix de coco râpée. C'est un très bon exfoliant doux, donc c'est possible éventuellement de l'échanger contre de la poudre donc de coco. Ensuite, il vous faut donc de la fragrance, donc de votre choix. Moi j'ai choisi donc de la fragrance de rose puisque je suis dans le thème donc de la rose. Ensuite, il vous faut donc... Ça c'est vraiment facultatif, c'est pour donner un petit côté girly à votre savon. Moi j'ai choisi donc de l'oxyde rose, donc c'est des pigments de couleur. Simplement ça va donner une couleur rose à votre savon. Ça n'a rien vraiment de bénéfique pour la peau, c'est simplement esthétique. Voilà, mais c'est facultatif, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas obligé du tout de le prendre. Donc une fois que vous avez réuni donc tous vos ingrédients, que vous les avez pesés, que vous avez nettoyé votre matériel et votre plan de travail, donc il vous faut simplement faire fondre donc votre base de savon, donc au bain-marie. Donc là vous pouvez voir que la préparation commence à fondre dans le Naturalis. Donc on va bientôt pouvoir ajouter le beurre de karité. Maintenant que votre beurre de karité a bien fondu, vous pouvez rajouter votre huile. Donc l'huile de votre choix, moi j'ai rajouté donc l'huile d'amande douce. Donc maintenant votre préparation est bien homogène. Ce que vous allez faire maintenant, c'est ajouter donc le colorant si vous le désirez. Et mélanger afin de dissoudre les pigments. Vous pouvez voir donc à présent, après l'ajout donc du pigment, vous avez donc une jolie couleur. Donc là ça se voit pas très bien, mais c'est vraiment plutôt un violet, donc une jolie couleur violette. Maintenant que vous avez donc mis votre colorant, vous allez ajouter donc le dernier ingrédient, l'avant-dernier ingrédient pardon, la poudre de rose. Donc la poudre de rose vient d'être ajoutée, vous pouvez ajouter dès à présent votre fragrance. Vous allez maintenant couler votre préparation dans le moule. Donc moi c'est un moule Aromazone, pareil, donc que j'ai acheté sur le site. Et vous aurez plus qu'à réserver au congélateur pendant 10 minutes et votre savon sera prêt. A tout à l'heure. Et voilà le résultat. Bon, il n'est pas au top du top, mais bon, il a une odeur, je vous dis pas, il a vraiment une odeur incroyable. Enfin, moi, j'adore l'odeur de la rose, alors je suis vraiment satisfaite. Donc écoutez, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !